Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues, on va parler de Paris-Plage et c'est vrai que le 18e ne connaît ni la Seine ni des canaux, mais pour autant cette délibération est une première aussi pour le 18e arrondissement puisque pour la première fois nous allons organiser dans le respect absolu de l'ensemble des contraintes sanitaires évidemment et dans le respect le plus total de la santé des uns et des autres, une baignade d'été dans le 18e. Et c'est un travail que nous avions engagé avec mon adjoint Mme Siafa et avec Pierre Rabadan depuis un certain temps. Alors je ne peux que me réjouir de cette délibération qui vient justement proposer aux Parisiennes et aux Parisiens pendant l'été deux bassins supplémentaires dans le 14e et dans le 18e au centre sportif des Poissonniers. L'engouement des Parisiennes et des Parisiens pour ces baignades est clair. Ce sont des bassins éphémères, donc installés dans les centres sportifs, qui offrent à celles et à ceux qui restent à Paris pendant l'été des lieux de baignade gratuits, des espaces où se rafraîchir, se détendre tous les jours de la semaine de 10h à 20h. Elles permettent ces baignades de s'évader, de goûter au plaisir des vacances avec des espaces détente, des Parisiennes et les Parisiens qui ne partent pas en vacances, c'est-à-dire essentiellement les habitants dans nos quartiers dits populaires, sont ceux qui ont sans doute le plus besoin de ces lieux pour pouvoir s'évader. Alors nous développons toutes les offres pour leur permettre de partir plus facilement, bien sûr, mais aussi de trouver à Paris et dans leur quartier des activités qui leur offriront cet espace d'évasion. C'est dire si cette délibération est essentielle pour le 18e, parce qu'avec cette nouvelle installation, donc entre la porte de la Chapelle et la porte de Clignancourt, pour ceux qui ne connaîtraient pas par cœur le centre sportif des Poissonniers, il y aura à cet endroit-là aussi de l'animation pour les familles, de l'animation sportive pendant l'été. Ce projet est né aussi avec les associations locales et bien sûr les équipes de la direction de la jeunesse et des sports que je veux saluer, qui organiseront des animations gratuites, ludiques et sportives, qui seront proposées aux familles, et y compris aux personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées de la piscine, et notamment avec une capacité à lutter contre cette peur de la piscine qui peuvent exister pour un certain nombre de nos habitants. Elles seront aussi bien sûr ouvertes, ces baignades, aux enfants qui sont dans nos centres de loisirs et qui ne quittent pas Paris ou peu Paris pendant les vacances et qui pourront en profiter toute la matinée. Voilà, cette nouvelle baignade estivale est donc une très bonne nouvelle pour les Parisiennes et pour les Parisiens qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Et je suis très heureux d'avoir pu, comme maire d'arrondissement et sur la base des états spéciaux que nous avons votés il y a quelques instants, rendre possible cette installation qui sera, j'en suis sûr, un grand succès et apportera aux habitantes et aux habitants de nos quartiers un été plus frais, un été plus sportif, un été plus joyeux. Voilà qui augure bien aussi de la préparation des JO et finalement mettre dans nos quartiers un peu de joie, un peu de sport et un peu de gaieté, c'est aussi le rôle des élus. Voilà pourquoi sans doute les Parisiennes et les Parisiens nous font confiance. Merci beaucoup Éric Lejoindre, monsieur le maire.